Bonjour, je m'appelle Jack, j'ai 14 ans. Vous entendez ce tuteur particulièrement agaçant? Vous trouvez ça pénible? Je le comprends. Et ben moi, il me suit partout. En fait, c'est le bruit de mon cœur. En fait, j'ai une horloge à la place de mon cœur. Regardez. Je suis un garçon un peu spécial. Je suis comme qui dirait un trucage humain. Vous voulez savoir comment je suis arrivé là? Laissez-moi vous raconter. Je suis né en Écosse en 1874. Ce jour a été connu d'avoir été le jour le plus froid du monde et tel que les oiseaux gelaient en plein vol et que mon cœur a fini par geler. Vous voyez cette femme? C'est ma mère, elle est enceinte. Je suis un peu émue de la voir car elle a disparu et je n'ai plus revu. Excusez-moi. Quand je ressens des émotions comme ça, mon horloge sonne. Ma mère se rendit chez Madeleine qui répare les pauvres gens, les perdus, les cassés. Maintenant, écoutons ensemble ce qui s'est passé ce jour-là. Attention, maman! Oh,
séparer les gens. Madeleine fera une bien meilleure mère que moi. Voilà, vous connaissez le début de mon histoire. Ma mère est partie cette dernière et ça fait 14 ans que Madeleine s'occupe de moi comme si c'était ma vraie maman. Bon allez, Jack, dépêche-toi. J'espère que tu es prêt. Depuis le temps que tu veux y aller. Ne fais pas comme en ton habitude et sois à l'heure. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, aujourd'hui c'est un grand jour. Un jour spécial, c'est mon anniversaire. Et pour mes 14 ans, ma mère m'a promis qu'elle me ferait le plus beau cadeau du monde. M'a promis qu'elle m'emmènerait en ville. Tu sais, Jack, j'aurais préféré que ton cœur soit plus fort avant d'aller là-bas. Non, c'est bon, madame, je suis prêt, très prêt. On est plus prêt. Tu sais, tu peux pas me garder tout derrière la vie des gens. Je veux découvrir le monde. Oui, toi, tu es prêt. Mais ton cœur est une mécanique fragile et tu le sais. Tu connais les trois règles. Oui, je les connais, les trois règles. Je dois pas les fondre. Rappelle-les-moi, s'il te plaît. Tu ne dois pas. Je dois arrêter mes aiguilles. Et tu dois. Maîtriser ma colère. Et la troisième règle, que tu ne devras jamais, jamais, jamais. Oui, je sais, je ne devrais jamais tomber amoureux. En plus, je sais même pas ce que c'est de tomber amoureux. Car ton cœur ne le supporterait pas et tu ne te réveillerais plus, mon petit Jack. Et je serais la femme la plus triste du monde. D'ailleurs, as-tu remonté ton horloge avec ta clé? Laisse-moi faire. Si tu remontes pas les aiguilles de ton horloge régulièrement, il s'arrêtera et je ne pourrai plus jamais rien faire pour toi. Alors n'oublie pas ta clé. Merci, madame. Maintenant, je suis vraiment prête pour aller découvrir le monde. À moi la ville! Petit calme, c'est dangereux d'être coquette au point de m'en faire.
il faut rejoindre ma mère. C'est dommage, j'espère qu'on se reverra. J'ai vraiment perdu mes lunettes et je vois pas plus loin que le bout de mon nez. Je peux même pas dire si ce garçon est mignon ou pas, mais je sais que je sens comme des papillons dans le ventre. Mais c'est la sœur, elles sont là, tes lunettes. Merci, Jack. Jack, Jack! Je savais bien que tu n'étais pas prêt. Je voulais connaître la fille la plus magnifique du monde. Te mettre dans un état pareil la veille de ton premier jour d'école. Où a été arrivée? Comment reverrai-je? C'est décidé. Tu n'iras pas demain à l'école, c'est trop tôt. Aussi, Madeleine, laisse-moi aller à l'école. Je sais que ça, il sera sûrement. Bonjour, vous connaissez M. Cassia? Non. Vous savez si M. Cassia est arrivé? Vous connaissez M. Cassia? T'es bien cuit, tu veux quoi? Et d'abord, c'est étrange qui vient de là. Non, je préfère pas en parler. C'est quoi ce nouveau livre bizarre celui-là? En plus, c'est après ma M. Cassia. Cela fait maintenant plus d'années que cette école, je me sens chez moi. Et c'est pas la correction, c'est pour moi qui fait la loi. Tous les autres élèves me respectent, il n'y a sans doute qui me craignent. J'ai mes repères, mes habitudes, mes attitudes sur lesquelles je règne. Alors c'est vrai, j'ai pas beaucoup de changement, pour moi la vie, c'est la stabilité. Je voudrais passer éternellement tout ce qui peut menacer mon autorité. Dans mon entourage, je n'ai plus de rivaux, mais depuis peu de temps, j'aime pas trop ça, il y a un nouveau. Il est tout petit, un gentil, moi je prends envie de me déclarer. Je crains pas que plus bizarre que lui, qu'on s'approche de lui, ça fait tic-tac. Un peu de danger ses sens, pas à son cœur, moi ça me dérange. Puis moi j'aperçois que le nouveau connaît rien à la vie. Parfois il y a d'autres occupations, écoute des odeurs, moi je le souffle plus. Dès que je peux, je le casse le crâne, dans aucun souffle. Nous avons vraiment un nom commun, c'est une chose qui est horreur. Il est amoureux de la même fille que moi, il n'aurait jamais dû, c'est une traveur. Cette fille, c'est surtout sa petite amie depuis longtemps, elle s'appelle Missa Cassia. Elle chante en moi chaque instant, depuis peu malheureusement, leur partie de son pied, l'Andalousie. Et le nouveau que se prenait d'elle est en train de décupler ma jalousie. C'est à son cœur que j'ai avisé. Moi j'aime pas nous, c'est ma petite amie. C'est quoi ce bruit insupportable? Ah, qu'est-ce que t'as fait? Tu m'as crevé l'œil! C'est mon âge qui s'est emballé et qui t'a crevé l'œil. Jack! Je crois que j'ai fait une grosse bêtise. Calme-toi, il faut reprendre tes esprits. Dieu et ses amis vont vouloir se venger et la police va se lancer à ta poursuite. Je crois, Jack, nous n'avons pas le choix. Il faut que tu quittes la ville. Et nous séparer, mais comment va-t-on se revoir? Je ne sais pas, mon petit Jack. Comment je peux en arriver là? Moi qui voulais juste revoir M. Cassia. Elle aime Joe et elle me
se souvient sans doute plus de moi. Jack ! Dès que j'ai appris la nouvelle, je me suis tout de suite lancée à ta recherche. Tu n'es pas allée sourire Joe ? Joe ? C'est un garçon vraiment trop méchant. C'est normal ce qui lui est arrivé, il n'avait qu'à pas s'en prendre à toi. Mais que faisais-tu à l'école ? Je ne t'avais jamais vu là-bas. Je te cherchais. Pourquoi me cherchais-tu ? Pour te donner ça. Qu'est-ce que c'est ? C'est la clé de mon cœur en bois. Est-ce que tout va bien ? Petit cœur de bois, je ne t'ai pas dit, mais c'est bien sûr. J'ai trois règles à respecter. Je ne dois pas me mettre en colère, pas jouer avec mes aiguilles, et surtout, surtout, je ne devais pas tomber amoureux. Mais c'est trop tard.